Donc, bienvenue au premier midi-conférence de la série 23-24 des midi-conférences du CRISPECH. Hello and welcome everybody to the first Lunch and Learn of the season. So, mon nom est Mika, je suis responsable aux communications au CRISPECH, puis je serai votre hôte aujourd'hui et la personne ressource si vous avez des problèmes techniques ou des quelques questions. Ça me fait plaisir de vous voir en grand nombre aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, le CRISPECH offre un midi-conférence à tous les premiers mercredis du mois, sauf pour le mois de janvier jusqu'en janvier. Donc, vous voyez ici la programmation. Vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn ou sur Facebook pour rester à jour. Aujourd'hui, on accueille Suzanne Pitre, professeure au Cégep du Vieux-Montréal et chercheuse partenaire au CRISPECH, ainsi qu'Audrey Briga, chercheuse au CRISPECH. Elles sont ici aujourd'hui pour nous présenter un projet de guide d'aménagement de chambres d'enfants autistes qu'elles ont développé avec leur équipe. Bonjour tout le monde. Je regrette, ma caméra ne fonctionne pas, mais mon micro fonctionne. Donc, je suis très fière aujourd'hui de me joindre au CRISPECH pour la présentation d'aujourd'hui. Et je vous préviens tout de suite que je suis en classe à 12h35. Donc, je vais faire la première partie. Donc, la présentation, c'est l'autisme puis l'aménagement intérieur. On vous présente un cas succès en formation, transfert et innovation sociale avec Audrey et moi-même. Donc, notre recherche, on l'a fait en 2016-2017, le titre étant « Améliorer les conditions de sommeil de l'enfant vivant avec un trouble du spectre de l'autisme grâce à un design réfléchi et personnalisé de sa chambre ». C'était notre long titre et c'était financé par le PARP, le ministère de l'Éducation, et le CRISPECH, et notre équipe était constituée de Audrey, moi-même, Joseph-Alexandre Daroux du Collège Dawson, Tess Perron-Lorrain, et Charlotte Leroux, qui étaient nos assistantes de recherche, qui étaient étudiantes au Cégep du Vieux-Montréal. Les partenaires du projet sont la Fédération québécoise de l'autisme et l'École à pas de géant. Nos partenaires ont eu un rôle crucial dans le développement de la recherche. Donc, dès le début, ils se sont impliqués et on a pu avec eux recruter les participants. On a pu leur contribution au comité consultatif a été formidable, je peux me permettre de commenter. Et, je n'avais pas fini. Oui, c'est ça. Donc, ils nous ont soutenus aussi pour le lancement, puis étaient présents à toutes les étapes du projet. Merci. Donc, la recherche s'est étalée sur un an. On a fait une revue de littérature. On a fait les entrevues semi-dirigées avec les parents, avec les spécialistes. Les analyses ont été faites de façon, des analyses quantitatives avec in vivo, je crois. Alors Audrey, tu me corrigeras. Et c'est le comité de travail et le transfert des connaissances. Sur l'autisme, c'est important de connaître le fait que 1,4 % de la population vit avec un TSA et 90 % des personnes autistes sont hypo ou hypersensible dans un ou plusieurs sens. Donc, l'hypersensibilité ou l'hyposensibilité, on a deux types d'hypo. On a les réactions faibles ou indifférentes face à un stimuli et on a aussi l'intérêt marqué par un stimulus. Hypersensibilité, réaction forte au stimuli. Chaque sens devrait être considéré séparément. Ça a été le fer de lance de notre recherche, ces deux aspects-là. Donc, on définit le premier sens, c'est la vue. L'hypersensibilité, c'est la sensibilité à certains types d'éclairage, les motifs et couleurs pouvant être problématiques, la rigidité face à l'organisation visuelle et l'anxiété lorsqu'il y a trop de stimuli visuels. A contrario, l'hyposensibilité, c'est la recherche de stimulation visuelle, les objets lumineux, colorés, rotatifs, la fascination pour les couleurs vives, peu d'habileté à percevoir les détails et peu d'habileté également à percevoir la profondeur. Ensuite, l'ouïe, c'est l'hypersensibilité, crainte des bruits forts, les bruits minimes peuvent être agaçants, inconfort face aux lieux bruyants, et peut détecter facilement une fausse note dans une mélodie.
L'hyposensibilité aime créer des bruits, aimer les bruits forts, les sirènes, par exemple. Aimer écouter de la musique ou de la télévision à un volume très élevé et la possible difficulté liée à l'audition. On continue avec le sommeil et l'autisme maintenant. Les problèmes de sommeil sont récurrents chez les personnes autistes. Les causes qui sont aggravantes sont multiples, dont les stimuli sensoriels. L'importance de faire attention aux stimuli de la chambre et la chambre doit demeurer un environnement pour dormir. Toutes les pièces de l'habitation, on a fait le tour, mais tout le monde de stimuli sensoriels qu'on a répertoriés, c'est ce qui a trait aux aspects visuels, donc les couleurs, l'éclairage, les motifs, les bruits, tout ce qui est auditif, les bruits, la maison, le voisinage, les aspects tactiles, les draps, les couvertures, les revêtements de sol, olfactifs, les huiles essentielles, le savon, produits d'entretien ménager, gustatifs aussi, des petits objets, les produits toxiques, vestibulaires, les meubles, la hauteur, et proprioceptif, c'est le type de couverture, d'oreiller, les petits espaces. Donc, on doit parler tout de suite ici du design universel. Ce que ça veut dire, si on a des grands principes qui s'appliquent en design et en architecture, on a fait les liens avec l'autisme et la conclusion, c'est ce qui convient pour une personne autiste pourrait très bien s'appliquer à tous. C'est la base du design universel. Ensuite, en tant que designer, on va parler des paramètres d'aménagement. Donc, les plusieurs paramètres d'aménagement ont été retenus. Le premier, c'est l'ergonomie. L'ergonomie, c'est ce qui est lié aux dimensions. Ensuite, la santé, la sécurité, l'hygiène, l'environnement visuel. On parlait tantôt des couleurs, des motifs, l'éclairage. Ça, c'est tout visuel. Et il y en a d'autres aussi. On a répertorié les plus importants. Donc, il y a un mot d'ordre. Le mot d'ordre pour l'ensemble des pièces, c'est de porter une attention particulière aux deux aspects suivants. C'est les aspects sur lesquels on peut avoir un contrôle, l'acoustique et l'éclairage. On va réduire les bruits d'impact, les bruits de choc dans toutes les pièces, puis on va favoriser un éclairage qui est neutre, ni trop élevé, ni trop bas dans toutes les pièces. Et si on veut les régler, les recours à des gradateurs sont souhaités dans la chambre seulement et accessible par une personne. Donc, il y avait une raison qu'on n'en mettait pas partout. Donc, on a des exemples de profils sensoriels puis des éléments d'aménagement à prendre en compte. Donc, ce qui est lié à l'hypersensibilité pour la vue, hypersensibilité en ce qui a trait à l'ouïe. Ces profils ont été sélectionnés puisqu'ils sont communs chez les personnes autistes et je pense que c'est Audrey qui va les présenter. Donc, je cède la parole à ma collègue. Merci. Merci. Côté son, est-ce que vous m'entendez bien? Excellent. De mon côté, je vais poursuivre la présentation avec des cas plus concrets. Parce que, bon, comme on a mentionné plus tôt, il y a des profil chez plusieurs personnes qui sont autistes. Donc, il y a des personnes autistes qui peuvent avoir une hypersensibilité pour la vue, mais une hyposensibilité pour le goût. Donc, c'est des caractéristiques qui sont individuelles à prendre en compte. Chaque personne est unique aussi. L'autisme, c'est un spectre qui est extrêmement grand. Donc, je vais présenter deux exemples de profils qui sont peut-être un peu plus communs chez les personnes autistes à tout le moins, on a documenté un peu plus dans le projet. Donc, le profil hyper sur le plan de la vue et le profil hyper sur le plan de l'ouïe.
Je ne sais pas si on est à la bonne diapo. Ce qu'on peut faire back, puis juste voir. OK, fais next. Merci. Parce que je pensais qu'on en avait skippé une. C'est bon. Donc, je vous présente le cas fictif d'un enfant autiste avec un profil hyper sur le plan de la vue. Elle a une sensibilité particulière à des types d'éclairage en particulier. Donc, on pense entre autres à des néons, à des éclairages forts, à des éclairages avec plein de couleurs qui tournent et qui scintillent. Donc, c'est des éclairages qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas aller à l'extérieur lorsque le soleil brille, parce que oui, ça existe. Elle a des maux de tête lorsqu'il y a des couleurs vives et des motifs voyants. Et elle est anxieuse quand il y a trop de stimuli visuels, comme on pense entre autres à la télévision, aux gens et aux couleurs. Donc, tout ce qu'on peut voir, c'est des éléments auxquels il faut prendre compte dans ce type de profil. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, pour ce type de profil, qu'est-ce qui est à recommander ou à éviter ou à prendre en compte? On parlait un peu plus tôt des paramètres universels. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces éléments-là, de ces paramètres-là, peuvent être utiles pour des personnes qui ne sont pas autistes, mais pour une personne qui est autiste avec un profil hyper vu, c'est des éléments qui sont d'autant plus importants à prendre en compte. Donc, dans ces points-là, entre autres, l'éclairage, je parlais un peu plus tôt de ne pas mettre de lumière vive, forte, qui bouge ou qui tourne. Donc, de préférer peut-être un éclairage qui est plus doux. À propos des garnitures de fenêtres, ce qu'on propose dans la chambre à coucher, c'est de prendre des garnitures qui sont plus opaques pour faire en sorte que les enfants ne se réveillent pas à des heures qui sont trop matinales par la clarté du jour. Donc, de prendre ça en compte. Les couleurs et les motifs. Donc, on préfère des teintes douces, unies, pas de motifs contrastants. À propos de l'organisation et du rangement, on propose des espaces de rangement qui sont opaques ou qui sont fermés. Ça peut être entre autres des armoires avec une porte ou une boîte qui est opaque. Donc, le but avec ça, c'est que s'il y a des jouets ou des choses qui traînent puis qui peuvent être distrayantes, c'est hors de la vue de l'enfant.
Après ça, on était rendu à la simplicité. Donc, on propose que le décor soit le plus épuré possible. Après ça, la constance et la prévisibilité. Il y a plusieurs personnes qui sont autistes qui n'apprécient pas le changement quand ça ne vient pas de leur plein gré. Donc, de ne pas faire de grandes modifications dans le décor sans que l'enfant soit d'accord, c'est à considérer. Donc, lien à faire avec les paramètres universels. On peut passer au deuxième type de profil. Donc là, on a parlé du profil hyper vu. Le deuxième type de profil qui est assez bien documenté, c'est le profil hyper oui. Donc, sur le plan de l'audition. Nicolas, qui est un enfant autiste, qui a peur des bruits qui sont forts ou qui sont imprévisibles. Donc, on peut penser entre autres à des bruits qui sont à l'extérieur, la tondeuse, le chien qui jappe, des petits bruits aussi qui peuvent être insupportables. Je pense entre autres à l'échangeur d'air, au ventilateur qui fait toujours un petit bruit de fond. Et c'est une personne qui n'aime pas être dans un lieu où il y a beaucoup de bruit, comme à la cafétéria ou dans un centre d'achat. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qui est à considérer pour ce type de profil-là? Donc, toujours dans la même ligne que les paramètres universels, c'est des points qui sont pertinents pour n'importe qui, mais que pour un enfant autiste avec un profil hyper oui, c'est d'autant plus important. Il y a l'acoustique, entre autres, qui est très importante, donc de prévoir un environnement qui est bien insonorisé. Ensuite, de faire attention pour ne pas qu'il y ait trop de petits bruits. Je pense entre autres au cas d'une horloge. Le tic-tac, ça peut faire un bruit qui est agressant pour ce type de profil. Opter pour des matériaux qui ne feront pas de bruit d'impact. Puis on propose aussi pour la chambre, si c'est possible, que la personne ait sa propre chambre à la place d'une chambre partagée pour le contrôle de son environnement et du bruit. Donc, pour compléter, je vais faire quelques mots sur le transfert des connaissances qu'on a fait dans ce projet-là, parce que c'est un aspect qui a été très important. Donc, c'est un
projet qui s'est complété en 2017 ou en 2018, mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. donc, dans les types de connaissances qui ont été développées dans ce projet-là, il y a des connaissances liées à l'autisme et au sens chez les personnes autistes. Il y a des connaissances sur les paramètres universels. Donc, on en a parlé un peu plus tôt, mais c'est beaucoup plus détaillé que ce qu'on a dit. Et des connaissances sur l'aménagement chez les personnes autistes. Donc, j'en ai parlé un petit peu, mais dans le guide, c'est plus explicite. On peut passer à la prochaine. Toujours dans le transfert de connaissances, donc ce qui est intéressant aussi dans ce projet-là, c'est que il y a plusieurs types de partenaires ou de milieux preneurs ou de clientèle potentielle qui pourraient être intéressés. Donc, on pense entre autres aux parents, aux professionnels de l'intervention avec des personnes autistes ou en santé. On pense aux personnes autistes elles-mêmes, aux designers d'intérieur, tout ce qui est camp, maison, répit pour les personnes autistes, les garderies et le domaine de l'éducation. On peut passer à la prochaine. Qu'est-ce qu'on a fait plus spécifiquement dans le transfert? Jusqu'à présent, il y a un guide qui a été créé. Donc, après la fin de ce projet, le guide a été lancé en 2019. Il est accessible sur le site Internet du ECRISPECH. On a fait aussi deux articles dans des magazines grand public, donc pour des parents. On a fait aussi deux offres de formation. Une qui est axée sur les connaissances liées à l'autisme et au sens, et l'autre plus axée sur l'aménagement pour les personnes autistes. On peut passer à la prochaine. Donc, on serait rendu à la conclusion. J'ai parlé un peu plus tôt du guide. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il est accessible via notre site Internet. Donc, le lien il est ici. C'est un guide d'à peu près 120 pages. Donc, qui est assez gros, mais il y a trois étapes en particulier sur comment bien l'utiliser. Donc, la première étape, c'est de trouver le profil de la personne. Via un petit test maison. Je fais passer le test à mon enfant et je vois que son
profil, c'est plus hypo-vu et hyper-goût. Donc, avec ces types de caractéristiques-là, on peut passer à l'étape 2. Donc, en fonction de ce profil, comment on peut faire le lien avec ça et les paramètres qui sont à prendre en compte. Donc, dans le guide, il y a un tableau pour ça. Puis après ça, la troisième étape qui est de consulter les principales informations qui sont disponibles.